Bonjour à tous, bonjour Daniel, voici donc notre ami Daniel Arnaud qui est de retour. Vous vous rappelez peut-être ceux qui nous sont fidèles depuis le début qu'il est déjà intervenu. Dans le cadre de la nouvelle émission Un monde qui change, j'ai souhaité de nouveau l'entendre sur ce qui se passe en Russie, sur l'état de l'opinion publique, la perception par les Russes du conflit. Je crois qu'il a des choses importantes et intéressantes à nous dire, et ce d'autant que depuis sa dernière intervention, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Il y a eu l'opération Prigojine, sur laquelle il me semble que l'opinion russe a son idée. Il y a eu bien évidemment l'échec de l'offensive majeure. Il y a ce qui vient de se produire au Moyen-Orient, qui aura nécessairement des conséquences sur la guerre en Ukraine, puisque on voit bien qu'il y a un affolement chez les partisans de l'Ukraine, un affolement en particulier chez Zelensky, qui veut aller en Israël parce qu'ils craignent que les États-Unis privilégient la défense d'Israël au détriment du soutien à l'Ukraine et que par conséquent, la situation de cette dernière serait extrêmement difficile. Bon, donc voilà. Alors, mon cher Daniel, je propose qu'on commence par là. Petit diagnostic de la rue moscovite ou Saint-Pétersbourgeoise, je ne sais pas comment on dit. Et quand je dis la rue, c'est une expression. Comment les Russes et la Russie vive la prolongation, parce que ça fait maintenant plus de 600 jours, la prolongation de cette guerre dont on pensait initialement qu'elle serait courte. D'abord, toujours pareil, sur les genres de précautions que je prends avant de démarrer ce genre d'entretien, je rappelle toujours que le point de vue d'un individu, ce n'est pas celui d'un institut de sondage, et que par conséquent, il s'agit d'impressions personnelles, et donc limitées finalement à un cercle de gens assez restreint. J'entends que je demande des opinions et je communique avec des gens de niveaux socio-culturels très différents, mais bon, voilà, je sais pas, j'ai peut-être, il s'agit peut-être d'une vingtaine de personnes. En réalité, il faut un peu avoir le soutien des sondages pour avoir une idée, je dirais, plus rigoureuse de l'état de l'opinion. Bon, alors, ce que les instituts de sondage disent, c'est que le soutien est toujours très fort, qu'il n'a pas beaucoup évolué. Alors cela dit, alors maintenant rentrons dans la réponse à ta question, c'est comment est-ce qu'ils vivent la guerre? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne la vivent pas, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans l'imagerie mentale qu'on a, dès l'instant où on rentre dans le vocabulaire guerrier, on voit des destructions, on voit des morts, on voit des champs de bataille, on voit des invasions. En fait, finalement, ce qu'on voit, c'est Barbarossa, c'est l'invasion de la France en 1940, parce que c'est ce qui nous a marqué et c'est ce qui reste. Après, il y a aussi des conflits qui étaient de très forte intensité, comme en Corée, au début des années 50. Enfin, donc c'est ça l'imagerie qu'on a. En réalité, aujourd'hui, les conflits ont énormément changé en nature. Et donc, en réalité, hormis les gens qui connaissent, enfin, qui ont des amis, des proches sur le terrain, les familles démobilisées, des militaires, etc., le reste de la population, il ne le vit pas. En outre, l'économie va plutôt mieux qu'avant, d'une certaine manière, pour des raisons complètement évidentes, qui sont que la relocalisation des productions a évidemment provoqué un grand. D'abord, la nécessité de cette relocalisation des productions a provoqué des investissements en Russie bien plus soutenus qu'ils ne l'étaient avant. Probablement une part de rapatriation des capitaux des oligarques qui se sentent aujourd'hui menacés, puisqu'à tout moment, leurs biens peuvent être confisqués. Donc, sur le plan économique, il y a même pas mal de gens qui disent, mais finalement, ça va mieux. D'accord? J'ai une connaissance qui dit, mais
Enfin, finalement, on investit dans notre pays et ça va, et moi, je le sens et je veux dire, mes affaires marchent vachement mieux. D'accord? Ça, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement rare. Alors, évidemment, il y a le contrepoint qui est, ben, on ne peut plus aller en Europe. Et au final, les Russes se sont adaptés très facilement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir après qu'on ait fait un peu un panorama de l'opinion russe, c'est sur ce mot adaptabilité. Parce qu'en fait, c'est finalement, aujourd'hui, ce que je constate, peut-être le point le plus remarquable de ce qu'on peut constater de la société russe depuis le début de cette guerre, c'est son extrême adaptabilité. Et probablement, c'est une des clés. Parce que je pense que ce n'est pas récent, en fait, ça c'est un trait russe. Je pense que c'est une des clés de la résilience de ce pays. Mais bon, avant d'en parler, parce que c'est presque un petit peu hors sujet par rapport aux questions que tu me poses. Ah non, 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 on est à mon avis au cœur du sujet parce que on ne le sait pas. En Occident, il y a cette espèce de sentiment de supériorité, il y a cette vision qui repose sur une profonde inculture qui s'est considérablement aggravée avec la catastrophe éducative. Donc les Russes, en France, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui ils sont. Hein, et c'est d'ailleurs un vrai problème. Et donc ce que tu parles. De ce que tu dis sur cette adaptabilité est tout à fait important. C'est-à-dire ce que tu nous dis, qu'il n'y a pas le sentiment très profond d'être en guerre, c'est essentiel, c'est très important. Donc, je crois qu'on est, on est dans le cœur du sujet là. En fait, la plupart des Russes, au final, vivent cette guerre d'une manière finalement assez peu différente, des Occidentaux, c'est-à-dire à travers des conséquences indirectes. Hein? Mais bon, donc je veux dire, alors, il y a enfin, bon, quelques attaques de drones sur Moscou, mais qui ne sont pas dangereuses. Et c'est vraiment ceux qui sont vraiment dans la guerre, c'est vraiment ceux qui sont dans les oblasts qui sont effectivement sous le feu de l'armée ukrainienne. Donc ça, effectivement, eux, bah oui, de temps en temps, ils se réveillent avec des bruits de bombes, d'explosions, etc. Donc là, ils sont plus dans la perception habituelle de la guerre telle que l'histoire nous l'a appris, c'est-à-dire qu'on en hérite des récits des guerres d'autrefois. Et mais en interne, c'est plus ben, les conséquences économiques, les conséquences aussi sur les voyages, sur ce genre de choses. Et c'est là, quand on aborde le plan économique, que c'est le plus surprenant. Parce que, enfin, honnêtement, encore une fois, j'en ai encore une preuve. En fait, c'est cet article qui m'a vraiment. Qui m'a fait me faire cette réflexion, c'est il y a un papier de Jacques Sapir publié, j'ai trouvé sur les crises, mais je ne sais pas quelle était la publication originale, je ne sais plus ça, où est-ce que, mais enfin, en tout cas, il était ou pour les crises ou repris sur le blog de les crises de, comment il s'appelle, on m'échappe là maintenant. Olivier Berruyer. Voilà. Et où il parle, en fait, il fait un bilan de l'industrie automobile russe. L'industrie automobile russe, aujourd'hui, elle est en pleine effervescence. D'ailleurs, elle marche à fond, elle est en train, en particulier sur les camions, les utilitaires, il y a la production est très importante, on crée des nouveaux modèles, etc. Et voilà, c'est une industrie qui était assez assoupie finalement. Et là, il y a un phénomène d'adaptation à des nouvelles conditions, où en plus, il rentre en collision avec la concurrence chinoise et il se prépare en se regroupant, etc., en élaborant des stratégies à résister à cette concurrence. Donc, il y a une vraie adaptation des Russes à ces nouvelles conditions. Alors, Et ça, si tu veux, c'est quelque chose, j'ai juste ça, c'est quelque chose, je pense, en fait, c'est un trait. Je crois que c'est un trait, au fond, qui a toujours eu, mais qu'on n'analysait pas comme tel. Ça, par exemple, si tu regardes, bon, un bon exemple, je pense, c'est bon, ce qui se passe dans le siège de la Révolution,
en 17, où on commence à collectiviser, ça marche pas, c'est de la pagaille, etc. Alors on rentre en conflit avec les paysans, alors on fait la NEP, et puis après la NEP, on revient à la collectivisation. C'est-à-dire qu'en fait, une espèce d'adaptation aux circonstances, on regarde comment ça marche, ok, bon, on fait, puis après, comme on a aussi donné un but, eh ben, on peut revenir sur ce qu'on a fait et entamer une autre manière de faire les choses. Tu vois? Et ça, je crois que cet aspect, et avec aussi le talent pour trouver des solutions très simples aux problèmes compliqués, donc avec une grande créativité, ça, je crois que c'est finalement au cœur de la résilience russe. Bon, ça demanderait à développer, à être plus réfléchi. C'est une réflexion du moment, mais c'est quelque chose qui m'est apparu voilà, de manière assez récente. Okay. Donc, la conviction occidentale que le régime de Vladimir Poutine allait s'effondrer et que ça allait permettre effectivement de mettre la Russie à genoux et puis de la démembrer, du fait de ce que tu nous dis là, premièrement, la guerre est loin, hein, sauf pour ceux qui sont directement concernés. Ensuite, l'économie va bien. Alors bon, tu es assez bien placé aussi personnellement, compte tenu de ton travail, pour l'appréhender, cette économie qui va bien. L'erreur stratégique, elle est confirmée, quoi. C'est-à-dire que l'erreur stratégique d'avoir pensé qu'une guerre des sanctions, une tentative d'isoler la Russie et l'espoir d'une révolution de couleur en isolant Vladimir Poutine lui-même, tout ça est voué à l'échec. Alors, ça prouve bien que notre ministre de l'économie, qui s'appelle Bruno Le Maire, est un âne, puisque lui, alors, il va le traîner définitivement, ça n'empêche pas d'être toujours ministre de l'économie, d'ailleurs, et de continuer à dire des énormités. Hein, nous allons mettre l'économie russe à genoux, mais il y en a un autre qui s'est amusé à ce petit jeu, et c'était assez impressionnant, parce que tu parlais de Jacques Sapir, c'est récemment Emmanuel Macron, il fait une espèce de bain de foule, là, et puis il y a quelqu'un qui l'interpelle, qui lui dit « Mais écoutez, vous aviez dit que la Russie allait s'effondrer, or son économie va bien, semble-t-il. » Et donc, Macron lui dit « Mais comment vous le savez ?» Ben, il dit « Voilà, il y a des chiffres qui sont là, des instituts qui se prononcent, et Macron, avec sa suffisance, et je dirais sa bêtise politique, parce que je le pense incompétent au plan politique, dit « Ah ben parce que vous y croyez, vous, aux statistiques russes ?» Et le gars qui est en face de lui n'a pas l'esprit de répartie pour lui dire « Mais attendez, c'est le FMI, la Banque mondiale qui le dit, c'est pas seulement Jacques Sapir. Jacques Sapir, quand il a ses analyses, elles sont fondées sur des chiffres occidentaux. » C'est-à-dire que les grandes institutions qui sont sous la domination de l'hégémon disent que l'économie de la Russie va bien, et nous, on a un président de la République qui dit « Non, c'est rien que des menteries, quoi. » Donc, c'est un peu effrayant. Bon, je fais ce petit développement poursuivre toujours sur cette critique et ce constat de notre lamentable niveau, quoi. Je veux dire, parce que nous, sur le plan économique, on ne va pas bien. Oui, alors, en fait, c'est même presque plus grave que ça, cette réaction d'Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, il y a des statistiques économiques de la Russie, au final, telles qu'elles sont développées. Il y a aussi, là, Jacques Sapir a fait un article où en fait, il utilise les deux sources, occidentales et russes. Et de mémoire, alors il le fait régulièrement, donc il faudra regarder, mais il y a un moment donné où finalement, les prédictions russes étaient plutôt plus pessimistes que les prédictions occidentales, enfin celles du FMI, d'accord ? Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est des gens qui font leur travail très sérieusement, professionnellement, et qui n'ont pas peur d'annoncer la mauvaise nouvelle s'il y en a une. Par conséquent, les chiffres publiés par les instituts économiques à Moscou, et bien, en fait, ils sont fiables, ils sont raisonnables. Voilà, donc en fait, et en fait, on a des moyens de le savoir. Donc, si ce qu'il dit, c'est les informations qu'il a reçues,
C'est vachement grave, parce que ça veut dire qu'en fait, que quelque part, il est lui-même désinformé. Alors, quand un chef de l'État est désinformé, ça peut paraître. Ou bien c'est simplement parce que, bah, il fallait qu'il réponde, et il répond de la seule manière dont il peut répondre, effectivement, il ne peut pas dire autrement. Mais s'il pense vraiment ce qu'il dit, alors, voilà, je te rappelle, je ne sais plus qui disait, les guerres arrivent quand les propagandistes commencent à croire à leur propre propagande, les États commencent à croire à leur propre propagande. Je ne sais plus qui dit ça, mais. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que. Est-ce qu'il croit à ces bêtises ou bien est-ce qu'il fait une propagande cynique? Moi, je penche pour la deuxième solution parce qu'il revient, il remet en avant, et je vais parler des conséquences que ça a, il remet en avant le nanar qui consiste à dire, ben, vous comprenez, la Russie a un PIB inférieur à celui de l'Espagne. Ce bricolage, c'est-à-dire que dans les PIB où on met les services, où on met la prostitution, on met les trafics de drogue, hein, le vrai critère, c'est le PIB parité de pouvoir d'achat. Et là, la Russie, selon les organismes internationaux occidentaux, est devant l'Allemagne actuellement. Ouais. Hein. Non, mais ce qui est phénoménal, hein, quand on sait ce qu'était la puissance industrielle de l'Allemagne. Alors, sur les conséquences, il s'est fait déchiqueter sur les réseaux. Il s'est fait déchiqueter, c'est-à-dire que sur l'arrogance et les mensonges, c'est pour ça. Je ne pense pas qu'il croit à ce qu'il raconte. Je pense que c'est vraiment cynique, mais ça montre aussi ses difficultés, les siennes et puis celles des autres gouvernants occidentaux. Oui, et en plus, voilà. Si on regarde la réalité aujourd'hui en Russie, alors j'ai malheureusement pas eu la possibilité de faire un tour en province, mais bon, j'ai pas mal bavardé avec des gens qui, soit pour des raisons professionnelles, soit familiales, vont dans les villes de province et disent qu'elles sont toutes en développement, qu'elles ont été embellies, reconstruites, enfin, je veux dire que le développement économique se sent aussi aujourd'hui dans les villes de province. Ça date pas du conflit, mais ça continue en dépit du conflit. C'est ça qui est remarquable dans ces travaux d'amélioration. Les travaux sur les infrastructures, de très nombreuses infrastructures qui sont fabriquées, etc. Je veux dire, simplement l'état des routes aujourd'hui autour des grandes villes, il est juste remarquable par rapport à ce que moi j'ai connu il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles sont quasiment à hauteur. Enfin, bon, l'hiver dégrade des routes. Hein. Donc ça, dans tous les pays froids, que ce soit au Canada, etc., à la fin de l'hiver, il y a pas mal de travaux à refaire. Mais elles sont au niveau. Bon. Alors évidemment, quand tu t'éloignes, quand tu es à 2000 bornes de tout point habité, là, je pense que c'est moins bien. Mais bon, tu es à 2000 bornes de tout point habité, ça aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui sera long à traiter, parce que les distances font que, bon, quand une route qui dessert un point habité de 1000 âmes, c'est dur de mettre beaucoup de pognon dedans, quoi. Je veux dire, quand il y a 500 bornes à faire pour atteindre ce point-là de désert, bon, parce qu'il y a quand même des endroits comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, l'économie va bien, ça se sent dans la population. Moi, j'observe au quotidien qu'il y a moins d'inflation nettement après un pic. Voilà, ça s'est calmé et qu'il y a beaucoup, certainement sur le plan de l'inflation, la Russie va beaucoup mieux. Alors, les chiffres le montrent en plus, mais ça se sent. Je veux dire, c'est pas du bidon, quoi. Ça se sent. L'inflation est beaucoup plus maîtrisée qu'elle ne l'est chez nous, etc., etc. D'accord. Il y a aussi une chose. Alors, sur le soutien, c'est que les gens sont plus critiques dans les grandes villes que sont Saint-Pétersbourg et Moscou, ça a toujours été un peu le cas, qu'ils ne sont en province. En province, le soutien est plus vigoureux, enfin plus inconditionnel plutôt, on va dire. Il est plus inconditionnel. J'ai parlé avec une personne qui revient de Belgorod. Donc, Belgorod, c'est une ville qui, comme tu le sais, elle est très proche de la ligne de front. Et c'est assez stupéfiant parce que elle me dit, ben ouais, en fait, il y a des tentants d'entendre le canon, il y a des bombardements qui tombent pas loin, mais en fait, les gens sont complètement adaptés. Même ils disent, tiens, ben ça, c'est notre artillerie qui travaille, tiens, ça, c'est eux. Enfin, je veux dire, à l'oreille, ils reconnaissent et ils s'inquiètent absolument plus. Et par contre, ils sont très actifs dans tout ce qui peut être de l'aide aux populations qui sont plus proches de la ligne de front et qui souffrent.
Et vis-à-vis aussi de l'armée, où on collecte des médicaments, on amène de la nourriture, etc. etc. Donc, en fait, il y a un mouvement de soutien actif de la part de la population. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage direct que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un peu c'est l'état général. Et ce que je voudrais. Alors, je pense qu'il serait intéressant aussi de faire maintenant. C'est une analyse des critiques. Alors, avant ça, j'avais une petite question sur la notion de guerre existentielle. Parce que, bon, l'Occident, de façon très contradictoire d'ailleurs, hein, dit, mais attendez, ce n'est pas une guerre provoquée, on ne veut aucun mal à la Russie, on les aime, etc. Et puis en même temps, on fait tout pour essayer de la confronter à des difficultés considérables. En commençant par activer une guerre par proxy, qu'on le veuille ou non, on fait la guerre à la Russie. Alors on peut dire, que disent les Occidentaux, ah oui, mais c'est eux qui ont commencé, mais ils n'empêchent quand même. Et on met le paquet quand même, hein. On est à plus de 100 milliards de dollars, plus les armements, etc., dont on apprend d'ailleurs qu'on en retrouve d'ores et déjà une partie au Moyen-Orient, ce qui était parfaitement prévisible. Donc, est-ce que cette notion de guerre existentielle est toujours prégnante, quoi? Est-ce que les gens considèrent que, ils sont mis en cause par l'Occident et que c'est existentiel? Alors, ça, en fait, ça rejoint en fait la question de l'information qui parvient aux populations. Alors, je veux dire, aujourd'hui, quand même, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant, parce qu'il y a eu des émissions de télé là-dessus, enfin bon, donc ce qui va concerner, par exemple, les écrits de Brzezinski, bon, là, c'est quand même, ça, c'est connu, c'est connu. En général, les gens font cette réflexion assez simple, hein, qui est, ben, en fait, ils ne nous aiment pas parce qu'on est trop grand, ils ne nous aiment pas parce qu'en fait, ils veulent nous prendre nos ressources. Donc, il y a quand même l'idée, en moyenne, on va dire, l'idée qu'effectivement, le conflit est existentiel. Mais je crois, alors, ça, c'est plus une hypothèse, je pense que la crainte pour la masse de la population, pour des gens qui sont pas forcément, je veux dire, impliqués dans des analyses géopolitiques fines, etc., hein, qui réagissent parce qu'ils ont vu des émissions à la télé, etc. Enfin, donc ils ont appris un peu ce qu'on disait sur ces tendances de la géopolitique américaine, etc. C'est-à-dire, enfin, ce qu'ils craignent, eux, c'est le retour des années 90. C'est pas tant la dislocation de l'État que ça, parce que ça, ils l'ont vécu. Ils savent ce que ça veut dire, et ils savent que, en effet, on a fait confiance aux États-Unis, et ils sont grandement responsables de l'état du pays dans les années 90. Et alors, évidemment, avec des traîtres à l'intérieur, hein, parce que très souvent on parle de cinquième colonne, d'accord? Il y a beaucoup de ça, c'est un terme qui est très très usité. Genre, là, il y aurait des gens à virer, il y a une cinquième colonne, la directrice de la Banque centrale russe est souvent citée comme un membre de la cinquième colonne, etc., etc., etc. Donc il y a ce sentiment, mais il n'empêche que voilà, derrière il y avait les Américains. Donc, en fait, je pense que c'est ça surtout. Hein, donc, mais je ne sais pas si à quel point est diffusée l'information sur les vrais développements de stratégie de démantèlement de l'État russe. Parce que là, effectivement, c'est des choses qui sont anciennes. Ce sont des idées qui flottent dans l'air depuis assez longtemps. Il faut remonter dans l'histoire pour retrouver les premières traces de ce désir de démanteler la Russie pour en occuper les territoires où il y a les ressources. Donc ça, je suis pas certain du niveau de conscience du danger. Et ceux qui en parlent,
en parlant en disant bah, ils sont complètement malades quoi. Je veux dire, ça peut, c'est tellement irréaliste, ça ne pourra pas se faire. D'accord. D'ailleurs que c'est pas, c'est assez intéressant parce que en fait la reconnaissance du fait que ça puisse être un projet occidental s'accompagne d'une totale incrédulité. Ils sont tombés sur la tête. D'accord. Pourtant, ils ont vécu une expérience de la dislocation très rapide, finalement, parce que si on part de l'arrivée de Gorbatchev en 85, le lancement de toutes les réformes, 6 ans plus tard, c'est très court, 6 ans, l'Empire était disloqué. Il n'y a resté plus grand-chose, déjà. Donc c'est, mais il y a une confiance restaurée. Ouais, je pense qu'il y a quand même le fait que voilà que ça ne pourra plus arriver. Après, bon, la dislocation de l'Union soviétique, il y a quand même une chose parce que en fait, dans cette dislocation, toutes les républiques n'ont pas dans la vision que les Russes ont de cette dislocation, toutes les républiques n'ont pas le même statut. L'Asie centrale, c'est OK, parce que oui, vraiment, ils n'étaient pas russes. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est une autre culture. D'accord. Alors, il y a des Russes là-bas, mais il y a vraiment le sentiment, oui, c'est une autre culture. Après, il y a l'Ukraine et la Biélorussie. Eux, par contre, c'est des Russes. D'accord. Dans la mentalité, nous sommes un seul peuple, en fait. Nous sommes frères. Okay. Donc, ça, par contre, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Russes, c'est un peu une absurdité d'avoir créé des pays différents, et c'est encore plus absurde d'avoir développé en Ukraine la haine des Russes. D'accord, ça, c'est quelque chose qui pour eux, enfin, je veux dire, bon, ça passe pas, quoi. Ça passe absolument pas. Donc la dislocation de la Russie même est à mettre dans cette perspective, c'est-à-dire que là on parle de la dislocation de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, où en fait il y a une conscience et une acceptation du fait que oui, il y a des gens de nationalités très différentes, mais nous sommes tous russes. Alors là, ça exigerait des développements qui seraient extrêmement longs, c'est très difficile à expliquer, qui est dans une société, c'est finalement comment est-ce que on intègre l'autre, celui qui est différent. Et de ce point de vue-là, comparer la France et la Russie, c'est prodigieux, parce qu'en fait, c'est des approches qui sont complètement différentes. D'accord. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a qu'une seule chose, c'est la citoyenneté. On est citoyen français, et tout ce qui est de l'ordre de l'ethnicité, de la religion, etc., c'est affaire privée. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle la civilisation à la française, etc. En Russie, il y a deux niveaux. Il y a la citoyenneté, et il y a la nationalité. Et c'est sur le passeport. C'est-à-dire sur le passeport, sur ce qu'on appelle, enfin, qui est la carte d'identité, qui est le passeport intérieur, et bien en fait, il y a la mention de la nationalité. D'accord. Donc on peut avoir un passeport russe, mais avec marqué, je ne sais pas, Nénets ou Tchétchène, ou etc., etc. Okay. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre dans les deux sens. C'est-à-dire faire comprendre à un Français que on peut avoir cette notion de la nationalité, une nationalité qui est liée à l'ethnicité, mais ce n'est pas du racisme, c'est compliqué. Et faire comprendre, moi je suis en conversation avec des Russes, oui mais alors, t'es français, mais de quelle nationalité? Je dis, non, je ne suis pas de nationalité, j'ai pas de... Ah bon? Et ça, ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. C'est vrai, pour eux, c'est tout à fait naturel, c'est intégré. Et en fait, effectivement, le fait d'être russe, du coup, en fait, c'est un état culturel, c'est un état, c'est l'acceptation, c'est le partage d'une langue, d'une culture, d'une histoire, mais pas, ça n'a pas de connotation ethnique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, des fois des vidéos de gens qui mettent des trucs comme ça, des fins de soirée où ils chantent des chansons qui sont vraiment des chants russes, et puis il y a des gens avec des visages européens, des gens avec des visages très asiatiques, et c'est totalement normal, quoi. Je pense qu'un russe ne le voit même pas, ça. Pour lui, c'est normal. Donc, ils ont géré le caractère hétérogène de leur pays et de leur empire
de façon très différente de la nôtre, parce que nous, en 1914, en août 14, lorsque on est parti en guerre, les Français ne parlaient pas la même langue. Hein, les Bretons parlaient breton, c'est pour ça qu'il y a des régiments, les Corses parlaient corse, etc. Donc, l'histoire de la France, c'est un petit peu l'histoire d'un pays hétérogène, et puis en plus, géographiquement, traversé par des migrations, le moyen d'en faire quelque chose d'homogène, ça a été un État fort. Voilà, voilà pourquoi il est toujours présent dans les têtes. Moi, petit, anecdotiquement... lorsque je venais en Union soviétique, cette histoire de nationalité sur le passeport, ça me choquait. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Exactement, parce qu'en fait il faut avoir des clés pour comprendre, et comprendre qu'en fait c'est justement la mention, c'est paradoxal, mais la mention de cette nationalité en réalité dégage la citoyenneté de toute ethnicité. Et en fait, et l'expression du fait que, quelle que soit ta couleur de peau, ta religion, si tu te sens russe finalement, tu es russe. C'est vrai, c'est-à-dire que tu en adaptes la langue, tu en adaptes une partie des usages, mais en même temps, tu peux avoir effectivement, c'est-à-dire quand on descend dans le Caucase ou quand on va dans les populations du Nord-Est, etc., on va rencontrer des gens. Il y a même, et c'est ça, c'est quelque chose par exemple qui est très mal connu, mais dans le Grand Nord, dans la toundra, il y a encore des populations nomades. Et ben, l'État russe a continué à le faire, même dans toutes les crises qu'il a traversées, assure un service médical par hélicoptère à ces populations. Alors, au prix que ça coûte, etc., mais il n'empêche que c'est fait. C'est-à-dire qu'ils ont des services de médecins héliportés, parce que, ils ont des populations, l'adresse du gars, c'est quelque part au milieu de 2000 km de toundra, quoi. Donc, je veux dire, c'est des éleveurs de rennes, etc. Donc, ça existe encore. Et ce qui est absolument remarquable, que c'est ce qui met aujourd'hui en danger ces populations, en danger leur mode de vie, le consumérisme à l'occidental. C'est-à-dire que c'est des modes de vie qui ont résisté au communisme. On ne leur a pas demandé de se conformer, on les a laissés vivre comme ils le voulaient à l'époque. Mais à partir du moment où, et ce n'est pas fait par la coercition, mais voilà, je veux dire, il faut quand même, les enfants de ces populations vont à l'école. Par contre, ça c'est une obligation, ils doivent aller à l'école, ils doivent être lettrés, ils doivent être alphabétisés, je ne sais pas. Et là, ils rencontrent l'iPhone. Et d'un coup, le mode de vie un peu rude, on va dire, entre guillemets, d'éleveur de rennes devient plus supportable. Hein, voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Je vais revenir. Alors, tu parlais des critiques qu'on rencontre dans l'opinion publique russe. Alors, grosso modo, j'ai fait même une petite liste pour ne pas en oublier. Parce que sinon après j'oublie des choses et voilà. Donc on va commencer. Alors il y en a, en gros, il y a trois classes de critiques. Il y a la critique marxiste, parce qu'il y a des groupes marxistes. Enfin, il y a un courant de pensée marxiste en Russie. C'est-à-dire que le marxisme n'est pas un gros mot, hein, comme il l'est devenu chez nous. Hein, on peut encore exprimer un mode de pensée marxiste sans être une espèce d'abominable négationniste fou sanguinaire qui veut voir revenir Pol Pot, quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe chez nous. Bon, là, on peut avoir une pensée, une analyse marxiste, et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'analystes qui utilisent l'outillage intellectuel marxiste dans leurs analyses, sans, pas forcément partageant les solutions proposées, mais voilà, il peut y avoir des points de vue très critiques sur les réalisations de l'Union soviétique, mais, enfin, en tout cas, les modes de fonctionnement de l'Union soviétique plutôt, mais bon, voilà, ils peuvent utiliser cet outillage. Alors là, c'est assez marrant quand même, parce que c'est très minoritaire encore, je veux dire, aujourd'hui, je pense que ça va le rester, parce que il y a en fait finalement l'idée, c'est un conflit d'impérialisme
Et donc, ce n'est pas notre sujet. Okay? Nous, enfin, la classe ouvrière ne doit pas participer à un conflit d'impérialisme. Alors, avec deux conséquences, du coup, c'est un, il y a ceux qui pensent, si on arrête, si on prend le pouvoir, on arrête. Comment? On ne sait pas, mais on arrête. Et les autres, ils disent non, on continue parce qu'en fait, en affaiblissant l'Occident, on favorise la pénétration des idées marxistes. Donc, tu vois, en fait, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Tu Mais retrouves le parti qui tient. le Parti communiste russe et Zyuganov soutiennent à fond la guerre en Oui, Ukraine. mais alors là, je te parle en fait, au final, je te parle en fait de groupes assez, c'est plutôt des groupuscules, et c'est des gens qui disent que finalement, en fait, ce Parti communiste n'est plus un parti marxiste, quoi, d'accord? Donc en fait, là, voilà, donc là, bon, c'est-à-dire qu'en fait, donc ça, c'est des subtilités, en fait, c'est un parti social, je ne sais plus quoi, mais enfin, bon, c'est plus un parti, ce n'est plus un parti communiste, quoi. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Parti communiste, qui est en fait la principale force d'opposition, mais bon, moi, enfin, quand je les entends parler, je ne peux pas dire que je sois stupéfait par leur niveau de pensée, quoi. Ils sont pas très brillants, quoi, pour quand même le dire, quoi. Mais cela dit, ça reste le premier parti d'opposition aujourd'hui en Russie, hein. Il faut quand même pas le négliger. C'est pas la vraie opposition, c'est pas Navalny, c'est le Parti communiste en fait, hein, bon. Alors ensuite, il y a les gens qui disent, il y a tout ce courant de pensée qui dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? C'est-à-dire, on leur rentre dans l'art et on finit, on termine ce conflit. Et avec le corollaire, c'est comment ça se fait que on n'a pas réussi je dirais, en mars 2022 de régler le problème, quoi. Je veux dire, on pensait qu'on a été arrêté alors qu'on pensait qu'on était tellement fort, etc., etc. Alors, en fait, d'abord, pour moi, ce que ça révèle dans un premier temps, c'est finalement une ignorance quasi de la chose militaire qui est quasiment aussi importante que ce qu'on observe en Occident. C'est vrai que et c'est là, là, en fait, on ne peut que renvoyer aux analyses hebdomadaires de notre ami Carès, qui effectivement explique bien pourquoi au final ça peut pas se régler de manière aussi simple. Bon, il y a des rapports de force, mais je veux dire, si en plus on rajoute le fait qu'on évoquait avant de commencer, il y a quand même des lignes de fortification très difficiles à prendre le long de la frontière, le long de le sur le front, enfin pendant les 8 ans, hein, les 8 ans de non-signature des accords de Minsk. À l'évidence, avec l'aide de l'OTAN, ils ont profité de ce temps-là pour construire, les Ukrainiens, des fortifications qui sont redoutables, qui n'ont probablement pas grand-chose à envier à ceux que les Russes ont construits sur la ligne Sourabikine en regard. Donc, il faut pas du tout les sous-estimer. Je pense que c'est très bien construit, très bien fait. Bon, moi, au début du conflit, j'ai eu des témoignages de gens qui rentraient là-bas et qui disaient, en fait, ça va être très long parce que ça, c'était des gens qui avaient vécu pendant 8 ans avec une vue imprenable sur la construction de ces fortifications. Ils savaient que ce serait dur, quoi. C'est très dur de les réduire. Donc, à partir du moment où, avec un petit nombre, on les a évités, on s'est aventuré dans le territoire ukrainien en laissant ça marche bien. À part que si tes buts de guerre sont atteints très rapidement, c'est-à-dire que du coup, c'est des unités qui ne se battent pas, qui sont un peu comme la ligne Maginot, hein, je veux dire, la ligne Maginot n'a servi à rien. Bon, si on fait une forme entre guillemets, de guerre éclair et qu'on obtient ces buts de guerre, à savoir à l'époque, c'était faire amener les Ukrainiens à la table des négociations, là, c'était parfait, on n'avait pas besoin de les réduire. Mais à partir du moment où on rentre dans un autre type de guerre où il va falloir effectivement détruire l'appareil militaire, là, on a un vrai souci parce que ça, par contre, ce sont des unités qui sont très très protégées. Donc, je veux dire, ça, voilà. Donc, ça montre ça. Ça montre en fait qu'il y a une assez mauvaise compréhension de la chose militaire. Et ce que ça révèle, c'est en fait de nouveau une incapacité du pouvoir russe à communiquer correctement. Ça, bon, ça, c'est historique. Et en fait, on voit que ça n'a pas beaucoup changé parce que c'est pas des
C'est pas quand même pas des concepts qui sont très compliqués. Je veux dire, je suis pas non plus un expert militaire. Mais bon, à coup de, je dirais, il me suffit de deux vidéos de caresses et quelques témoignages sur place pour savoir que, pour comprendre que oui, c'est pas si simple, d'accord? Plus la réflexion quand même qui est alors. Ce qui m'étonne d'autant plus, je veux dire, parce que ça c'est des commentaires que beaucoup de moscovites, donc des gens qui ont quand même un certain niveau d'éducation, plus le fait que on détruit, si on détruit, si en fait, si on leur rentre dans l'art et qu'on arrive et qu'après on se retrouve avec sur le dos une guérilla pendant 20 ans, on n'a pas résolu le problème, au contraire. D'accord? Et en fait, il est tout à fait prévisible qu'aujourd'hui, si l'Occident n'est pas écœuré de ce conflit et qu'il ne se retire pas, le fait d'avoir détruit de nouveau l'armée ukrainienne et en plus occupé une large section du territoire, ne fera qu'amener un problème de guérilla. Et là, je suis assez étonné, mais il n'y a pas cette réflexion, d'accord? Qui, moi, pour moi, me paraît absolument triviale, mais voilà, je ne peux que constater que finalement, dans ce courant de pensée qui est on leur rentre dans l'art, il n'y a pas la réponse du et après. Est-ce que ça résout le problème? D'accord? Donc il n'y a pas une réflexion stratégique très très importante. Donc ouais, j'arrête, je ne veux pas qu'on soit embêté par des alertes. Voilà. Donc ça, c'est pour cette C'est le deuxième courant critique qui, et également, voilà, pourquoi et est-ce qu'on ne également, tape pas fort? voilà, mais ce que je soupçonne aussi, c'est que, et ça c'est aussi un peu parce que voilà, c'est des gens de Moscou qui m'ont évoqué ça, c'est qu'il y a aussi probablement une part de pénétration de la propagande occidentale quand même, d'accord, qui est extrêmement active. Et en fait, les gens des grandes villes, ils sont quand même pas mal connectés sur des sources d'informations occidentales aussi. Okay. Donc là, je pense qu'il y a également quand même une influence. Alors après, l'autre courant, et celui-là, finalement, il a un argument quand même qui est très fort, qui est, mais si c'est une menace existentielle à laquelle nous faisons face, alors pourquoi est-ce que finalement, on n'est pas, on prend pas l'argent des oligarques pour l'utiliser afin d'abord de mieux équiper l'armée, et puis peut-être d'avoir une armée plus importante, et finalement de renforcer notre position et de leur rentrer, de leur, de, et également finalement de régler le conflit rapidement. Et là, en fait, ça c'est un point qui est très très important, et qui, je pense, dans le contexte actuel, met sous tension la forme de statu quo, de contrat qui avait été passé entre l'oligarchie et le pouvoir central peu de temps après l'arrivée de Poutine au pouvoir, et qui était, donc en 2001, et qui était, vous profitez de votre argent, mais un, vous occupez pas de politique, et deux, vous payez vos impôts. Et ça a été très efficace, dans ce sens que, en évitant de provoquer des bouleversements, en n'effrayant pas les capitaux occidentaux, etc., etc., ça a permis à l'État de récupérer de l'argent pour se reconstruire, parce que quand même, la manne des impôts, elle était importante, hein, puisqu'en fait, c'était beaucoup, beaucoup les revenus du pétrole. Et ça a permis de reconstruire le pays, avec en plus, en conservant un taux de taxation très faible, ce qui, évidemment, favorise l'efficacité de l'économie. Donc, ça, ce statu quo, effectivement, finalement, il y a eu peu, enfin, il y a eu l'affaire Khodorkovsky, qui a d'ailleurs montré qui illustre quelque part la difficulté qu'il y a à reprendre le contrôle d'une oligarchie une fois qu'elle est établie. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ça a créé énormément de remous sur les marchés financiers, ça a provoqué des fuites de capitaux, les gens des sociétés, etc., qui s'inquiétaient, etc. Donc il y a eu un impact à l'époque de cette action. Mais finalement, au fond, pour la population russe, dans son ensemble, à part les libéraux, finalement, ce qui était choquant, il faut dire que le point de vue, moi, à ma sympathie,
C'est pas tant que Rolkowski est terminé au Newf, c'est qu'il y soit allé tout seul. Parce qu'il y avait quand même, il y en avait un paquet d'autres qui le méritaient de la même manière. Sauf qu'eux, ils ont respecté le statu quo, tandis que lui a prétendu ne pas le respecter. Donc, il y a ceux comme Berezovski qui ont tenté le coup et qui sont partis avant que ça leur pétonnait. Puis il a tenté le coup et il est resté. En fait, il était peut-être trop sûr de lui, j'en sais rien. Mais bon. Mais si je rappelle ça, c'est pour dire que cette question, elle reste en suspens. Bon, parce que malgré tout, il y a comme un défaut moral aujourd'hui dans l'action gouvernementale russe qui est. Eh bien, ces gens-là n'ont jamais payé pour ce qu'ils ont fait, tu vois. Et ça, c'est un sentiment qu'il y a. Je veux dire, ils ont pillé le pays et finalement, ils continuent à profiter de l'argent qu'ils ont fait de manière illégale à l'époque. Et ils nous ont fait beaucoup de mal et ils ne payent pas pour ça. Et à partir du moment où aujourd'hui on explique à la population que l'État dit « nous sommes dans un conflit existentiel », alors oui, si on est dans un conflit, soit, mais conséquence, comment ça se fait que ces gens-là profitent encore de leur pognon? Et quand même, là, l'argument, il est... enfin, je veux dire, il est alors, on peut voir des raisons. Il y a que, de nouveau, le désir de ne surtout pas perturber les circuits économiques, de ne pas perturber la vie économique, puisque finalement, quelque part, une des grosses clés du conflit, c'est effectivement la santé économique des belligérants. Dans une guerre d'attrition, bien entendu, c'est primordial. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement de rapatriation des capitaux, parce que, bah oui, ces oligarques, d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils sont vulnérables, hein, vis-à-vis de les havres qu'ils avaient trouvés pour leur argent ne sont plus des havres. Donc, il y a un mouvement de retour des capitaux. Et donc, à mon avis, il y a quand même nettement... ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est effectivement des réseaux d'intérêts, des groupes d'intérêts qui se sont formés depuis cette époque, qui sont costauds, et qui, s'il fallait les attaquer, ce serait très conflictuel. Et l'État a besoin du soutien aussi de cette branche de la population. Difficilement se permettre de se diviser aujourd'hui dans une guerre des clans que je pense que ça provoquerait. Mais tu vois, ces arguments face quand même à l'aspect profondément immoral qu'il y a mes arguments, je pense, sont rationnels, mais tu vois, face à des gens, plus des gens sur des populations plus jeunes, tu vois, qui sont plus intransigeantes, etc., cette rationalité a du mal à passer devant ce qu'il faut vraiment qu'il faut dire. C'est un aspect immoral. C'est vrai que c'est des gens qui ont fait du mal, un tort considérable à la population russe, et ils continuent à vivre d'une manière qui peut paraître tout à fait indécente. Okay. Mais je vais schématiser, Daniel, parce que moi aussi ça me choque. Mais après, bon, j'ai l'impression que depuis le début, Vladimir Poutine, justement, il joue sur cette particularité et il ne veut pas bouleverser les circuits économiques parce qu'ils sont passés au capitalisme des Chicago Boys dans les années 90 avec toute la catastrophe que ça impliquait. Donc lui, il a dû ensuite réparer l'État, une société, l'économie. Ça a été un gros boulot. Mais quand on voit que tous ces oligarques ont volé la richesse latente qui était la richesse de l'État soviétique, c'est toutes les industries, les usines, le pétrole, les ressources, les matières premières qui appartenaient donc à l'État, hein, ils les ont volées et ils les ont gardées. Ça, c'est fou, quoi. Ça, c'est fou, on se dit, mais comme... La trahison, elle est double, en fait. Moi, il se trouve que dans les années 2000, début des années 2000, avant ce qu'on avait appelé l'ICRAC, la bulle du Nasdaq. Tu te souviens de ça? C'est un moment donné où les valeurs électroniques se sont pété la gueule après avoir monté sur des sommets himalayens, en fait, qui n'étaient absolument pas soutenables, mais tout le monde persistait à y croire. Alors en fait, là, si tu veux, moi, c'est mon métier, d'accord, je suis informaticien et aussi un peu entrepreneur, j'ai monté des boîtes, et à l'époque, j'avais monté une boîte. Alors ce qui était fascinant,
c'est que tu voyais passer à l'époque des projets de start-up dans l'e-commerce qui ne tenaient pas la route, vraiment qui ne tenaient pas la route et qui trouvaient des financements. Et en fait, et moi, je travaillais à l'époque, je développais des logiciels pour l'industrie financière, et donc j'étais en contact avec ces gens-là. Et eux disaient, enfin, je disais, ouais, l'argent est vraiment très, très bon marché, et c'est pour ça qu'on investit un peu à tort et à travers. Et ben, moi, je considérais à l'époque que c'était le pognon qui constamment fuyait la Russie, qui atterrissait sur les marchés financiers occidentaux, qui alimentait cette source d'argent bon marché. Et alors, il y a eu des tas de startups farfelues, etc., mais il y en a aussi quelques-unes comme Google, par exemple, qui n'étaient pas si farfelues, mais qu'il a fallu financer pendant des années, qui était juste un gouffre. D'accord? Donc, autrement dit, on peut dire un peu que les oligarques, ils ont en partie favorisé la, comment s'appelle, la transformation du monde en colonie numérique des États-Unis, tu vois. D'ailleurs, que décidément, en fait, ils ont cet argent, c'est rien de dire l'argent fuit, il part sur les marchés financiers, etc. Ça veut dire aussi que finalement, on aide l'Occident à se développer au détriment de la Russie. Donc, c'est une double trahison, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si l'argent était parti dormir dans les coffres. Il est parti travailler pour le compte de ceux qui cherchaient à persister à amoindrir la Russie, tu vois. Donc, là, il y a quand même quelque chose. Donc oui, c'est vrai que c'est choquant, mais en même temps, force est de constater que ça a été efficace. Si tu vois le résultat, et c'est ça qui fait, moi j'entends des gens dire qui parlent de manière élogieuse de Poutine à cause de ça, parce qu'il a quand même réalisé, qu'aujourd'hui, on est capable de résister à l'Occident tout entier, alors qu'il y a 20 ans, on n'était plus rien. Évidemment, ça contribue très très largement à en faire. Voilà, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, c'est vrai qu'il y a aussi de la corruption, etc., etc. Mais il n'empêche que le résultat est là. Malgré tout, il a réussi à rendre à la Russie un statut de grande puissance. Et à partir d'un moment, alors prenant l'État dans un État, il était au bord de l'explosion. Il y a des républiques qui commençaient à dire on abandonne le cyrillique, on abandonne le russe, etc. Donc on commençait à aller dans les premières étapes d'une dislocation de la Russie même après l'Union soviétique. Donc on part. Ne vous inquiétez pas, ceux qui me voient lever la tête, mais il y a un frelon qui est rentré dans ma pièce là. Donc, je ne sais pas s'il a le moyen de sortir. Une belle bête, hein. Bon, alors justement, je te propose de passer maintenant à la dernière question, c'est-à-dire la Russie que tu nous décris, enfin dans ce qu'elle pense. Dans ce que tu analyses de ce qu'elle pense, comment est-ce que est perçue l'idée vraiment très importante qui est solennellement réaffirmée par Lavrov, moins par Poutine, il faut écouter ce qu'il raconte à Valdaï récemment encore, c'est que nous n'avons plus rien à dire à ces gens-là, dit Lavrov, nous sommes tournés de l'autre côté, nous sommes tournés vers l'Asie. Comment est-ce que c'est perçu ça? Et en particulier, les rapports avec la France, ce sont ceux qui m'intéressent parce qu'il y avait des rapports qui étaient des rapports de qualité. Je veux dire, il y avait une sympathie réciproque importante. Et est-ce qu'il y a eu une surprise de voir que la France s'est complètement alignée sur les États-Unis au détriment de ce qu'était le gaullisme, enfin, faut quand même le rappeler. Ce que je trouve extraordinaire, ce que je dis maintenant, je vais un peu travailler là-dessus, je vais peut-être écrire quelque chose, mais la multipolarité, la souveraineté, c'est quelque part du gaullisme, hein. Et je dis que le pays le moins gaulliste du monde aujourd'hui, c'est la France, quoi. Totalement néolibéral, totalement asservi aux États-Unis, enfin, je veux dire, qui est devenu une succursale. Américaniste, enfin ça, bon, c'est comme ça, mais comment est-ce que c'est perçu ça,
cette dégradation des relations avec la France? Alors, on va distinguer deux choses, hein. On va distinguer ce qui se passe au niveau des élites de gouvernement ou économique, okay, au niveau de... Et là, on va dire que, en fait, il y a quand même un aspect rhétorique, hein, dans ces déclarations de Lavrov. Je sais aussi qu'au niveau de, au niveau des instances, de ce que les Russes appellent les ministères techniques, hein, c'est-à-dire l'économie, la recherche, l'industrie, voilà, ça s'appelle ça les ministères techniques. En réalité, bon, ils savent que eux, ils sont dans une perspective qui est, bon, un jour, les bêtises s'arrêteront et on va reprendre la collaboration. Donc, pour le moment, il faut juste faire en sorte que cette collaboration, ne pas rendre impossible cette collaboration dans le futur. Mais voilà, donc il y a quand même des échanges, en particulier, par exemple, sur des législations. Là, il y a des gens ces ministères interviennent. Il y a également, enfin, il y a des les chambres de commerce également sont actives, en train de, voilà, bon, quand il y a des décisions qui pourraient quelque part fermer les portes du futur, hein, notamment en disant non, c'était pas une très très bonne idée. Bon. Donc en fait, il y a l'idée que la collaboration reprendra. D'accord? Ça c'est, voilà, c'est discret, mais bon. Alors c'est peut-être pas éternel, hein, c'est-à-dire que si on fait une connerie de trop, ça pourrait changer. Ça, mais bon, aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Heureusement, d'ailleurs. Au niveau de la population, en réalité, ce au quoi les gens sont beaucoup plus sensibles, c'est les problèmes d'immigration et les problèmes LGBT, finalement. Hein, c'est-à-dire que c'est le positif. Alors, il y a quand même un choc. Comment ça se fait que vous êtes, comment ça se fait que vous êtes devenus aussi. Comment ça se fait que vous êtes devenus les caniches des Américains? Alors, il y a, parce qu'en fait, historiquement, bien, les gens ont quand même des souvenirs de Gaulle, etc. Puis c'est dans les livres d'histoire. Donc ils sont très étonnés, mais ils sont, je dirais, ce qui est plus présent dans les discours, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que vous laissez faire ça? Pourquoi est-ce que vous n'imitez pas cette immigration massive? Et également, cette incompréhension, cette sidération devant cette idéologie, l'idéologie, appelons-la, wow, l'idéologie, appelons-la, voilà. Et ça, par contre, c'est vraiment là, il y a une forme d'incompréhension totale. Mais après, en ce qui concerne les rapports, alors, bon, d'abord, très franchement, les rapports entre individus, alors moi, je veux dire, je n'ai jamais eu un seul commentaire sur le fait du fait. Enfin, je suis toujours, c'est-à-dire le français en tant qu'individu, en tant que représentant d'une culture, il est absolument le bienvenu. D'accord? On a envie de communiquer avec lui, on a envie de travailler avec lui. Enfin, voilà, il y a absolument pas. C'est-à-dire que la France en tant que, je dirais, en tant qu'objet culturel quelque part, est découplée de l'objet politique qu'elle est devenue aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est encore quelque chose qui est. C'est une bonne nouvelle, la francophilie. Alors, cette Oui. francophilie qui reste intacte. La francophilie, la francophilie, en fait, voilà, persiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Évidemment, il y a des étonnements, il y a des surprises sur. Voilà. Mais bon, on est plus dans l'espèce de. Bon, il y a des gens bizarres, bon, et finalement, comment est-ce que vous supportez ça, quoi? Bon, il y a des questions, mais vous qui savez tellement bien faire la révolution, pourquoi vous ne faites rien? Alors, tiens, petite anecdote, alors ça, tout ça méritera confirmation, mais les Russes sont à l'origine de la création d'un mouvement international russophile, le MIR. Attention, ce n'est pas le système de paiement, hein, ce n'est pas le système des cartes, le MIR comme ça. Et à qui ont-ils demandé d'en prendre la présidence? À Pierre de Gaulle, hein, c'est-à-dire au petit-fils du général, hein, que ses frères
vilipendes, je crois, parce qu'il y en a un qui est très macroniste, celui, mon camarade de Sciences Po. Et donc, tiens, voilà le fourlon qui m'attaque maintenant. Et donc, je trouve ça assez astucieux d'avoir proposé cette présidence à, alors je ne sais pas si c'est déjà confirmé, cette présidence à Pierre de Gaulle, parce que effectivement, la dimension gaulliste de la France a toujours été perçue de façon très très positive. En Russie, en Union soviétique auparavant, moi je me rappelle, hein, j'ai pas mal fréquenté l'URSS, donc voilà. Ça c'est. Tu vois ça, ce genre de choses, en fait, ça confère un peu ce que je t'ai dit sur le fait que, bon, il y a une rhétorique très dure, et c'est normal, de la part du MID, ministère des Affaires extérieures, d'accord, de la part du ministère des Armées, de la part de la présidence même, même à Valdaï, Poutine, il est dur hein, vis-à-vis de l'Occident. Mais derrière, quand même, c'est là qu'on voit que globalement, le pays est intelligent. Ouais, c'est-à-dire dans le fonctionnement des différentes couches d'élite, etc., par rapport à notre, c'est-à-dire que le comportement global de ce qu'on pourrait appeler, disons, l'administration, dans un terme global, qu'on a le gouvernement, les agences, etc., est beaucoup plus intelligent que le nôtre aujourd'hui. Donc c'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit l'effet d'une reconstruction de la Russie. Et effectivement, de dire ben oui, aujourd'hui on fait un gros effort de développement vers l'Asie, mais en fait on préserve l'avenir et on sait que évidemment, c'est clair que si tu te projettes à 20 ans, une Russie qui a établi des liens de coopération efficaces avec l'Europe et l'Asie, d'ailleurs c'est un pari super gagnant quoi, tu vois, il n'y a pas de doute. Oui. Donc il y a vraiment, enfin voilà, je pense que vis-à-vis des États-Unis ça doit être différent, hein, mais ça c'est encore un autre, c'est un partenaire compliqué. Bon, on refuse pas de faire des affaires avec lui, mais on sait que ce sera, je pense qu'on sait que ce sera toujours compliqué. Mais je crois que, je pense que, il y a une conscience finalement en Russie qu'on ne pourra pas, dans la durée, se passer les uns des autres. Bon, c'est tout, on est sur le même continent, quoi, donc on est voisins et on ne pourra pas se passer les uns des autres. Et ce qui se pourrait se refléter dans l'atmosphère globale de la population, qui est, tu vois, vis-à-vis de pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. C'est quand même dommage. Vous faites vraiment beaucoup de mal à vous-même, quoi. Tu vois, mais il n'y a pas de sentiment de haine. C'est ça qui est extrêmement intéressant, absolument. Et voilà. Et en fait, je peux te dire, quoi, si tu viens à Saint-Pétersbourg, tu seras super bien accueilli, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pareil. Là, il y a une forme de réciproque en France. Bon, on est sous l'emprise d'un bloc élitaire et de couches supérieures de pseudo-élites qui disent absolument n'importe quoi. Non, qui valorisent ceux qui disent n'importe quoi. Hein, quand on voit les Galina Kerman, les Nicolas Tenzer, là je prends des intellectuels ou des journalistes, il y a véritablement, c'est une couche assez, assez mince, il y a véritablement une volonté de transmettre une haine des Russes, une haine, une russophobie qui fleure bon son racisme aussi. Hein, Et ça c'est un truc qui est vachement intéressant, parce qu'en fait, tu as raison, moi je constate aussi que dans la population, quand je suis en France, ça ne peut pas dire que. On rencontre des gens qui ont vraiment intériorisé cette propagande, mais enfin, quand même, je n'ai vraiment pas le sentiment que ce soit une majorité. Bon, en revanche, là, il y aura vraiment quand même une étude à faire fort intéressante sur la raison pour laquelle aujourd'hui les élites françaises déraillent à ce point. Je ne sais pas, mais. Oh bah, je crois que c'est très simple. Hein. Moi, j'ai ma réponse. Hein. Je pense que c'est l'emprise américaine. Je considère que d'une certaine façon, politiquement, intellectuellement, économiquement, il est un pays occupé. C'est tout. Quand vous avez deux présidents
de la République successive, qui sont des young leaders, qui ont été formés par les Américains dans ce but, que même y compris, vous prenez un Arnaud Montebourg, qu'on nous présente comme un parangon de la gauche, hein, et qui voulait le patriotisme économique, ben, il est young leader aussi. Donc, pour ne prendre que ces exemples, hein, mais voilà. Et donc, cet atlantisme, il vérole. J'utilise ce terme exprès, il vérole les couches supérieures de ce pays. Ce qui m'étonne, c'est que moi, je veux bien qu'on professe ces idées-là par l'intérêt, parce que, voilà, parce que, mais le problème, c'est que ce qui est assez perturbant, c'est quand même, je commence à me dire qu'il y a quand même pas mal qui y croient, tu vois. C'est ça. Alors là, est-ce que c'est sur un fond de racisme, etc. Enfin, bon, c'est voilà, mais il y a quand même des croyants, quoi, entre guillemets, dans cette mouvance-là. C'est pas seulement, ben, je répète ce que me dit le patron parce que c'est, tu vois, le patron américain me dit de faire ça, je le fais parce que c'est dans mon intérêt. Ça, ok. Oui, c'est mais c'est rationnel. Mais, en fait. Moi, je pense aux journalistes, ils ont été formés avec ça. Je pense, qu'il y a une forme de conviction qui est, ce sont les petits bataillons, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, les petits bataillons d'une influence étrangère. Les collaborateurs, moi je vais utiliser des termes forts, on passe son temps à me traiter de rouge-brun et de collabo, hein. Bon, ce n'est pas grave, hein. Parce que ce que je réponds toujours, je ne crois pas que la Russie occupe actuellement la France. Hein. Si la France est occupée, je pense qu'elle l'est d'une certaine façon. C'est une occupation 2.0, c'est plutôt par les États-Unis. Mais quand il y avait une vraie collaboration avec l'Allemagne pendant la guerre, les gens, ils étaient convaincus. Il y en avait beaucoup qui étaient convaincus. Hein. Et quand il a fallu recruter la milice, on s'est retrouvé avec 100 000 hommes, hein, de gens qui étaient dévoués à la cause de l'Allemagne et à la cause nazie pour beaucoup d'entre eux. Bien, ben, sur finalement ce constat qui est assez positif et plutôt encourageant sur le fait qu'on ne restera pas fâché avec les Russes, je te remercie. On va se revoir, bien évidemment, hein, parce que les choses vont évoluer. Peut-être même que la guerre va évoluer avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, il y a la version pessimiste qui dit que ça peut déboucher sur un conflit beaucoup plus grave avec des escalades. Hein, et puis la version du point de vue de l'Europe centrale, c'est une version qui dirait que ça pourrait se terminer si effectivement le soutien occidental à l'Ukraine devient défaillant, que l'Ukraine finalement accepte de venir à la table de négociation et qu'on débouche sur un accord, sachant que l'accord, il sera un cheval, une alouette, hein, pour les Ukrainiens. Ils ont perdu la guerre. Et ce sera aux conditions de la Russie. C'est ce que disent d'ailleurs les dissidents américains, McGregor, Scott Ritter, Larry Johnson et autres. Voilà, ce Jacques sera Beau de toute le façon. Dit aussi. Jacques Beau. Pardon. Le dit. Jacques Beau. Oui, 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 oui. Jacques Beau le dit. Ce sera aux conditions de la Russie. Mais ça peut peut-être venir plus vite, parce que moi, je fais partie de ceux qui espèrent une fin rapide, quoi. Et pour d'abord, dans l'intérêt du malheureux peuple ukrainien et des gens qu'on envoie dans le hachoir à viande, hein, et aussi parce que je souhaiterais que la situation internationale se calme, quoi. Hein, donc, ce que je vais appeler dans un terme qui aujourd'hui fait un peu polémique de monde russe, c'est également souhaitable, parce que tu sais, on a aujourd'hui, enfin, il y a quand même, aujourd'hui, tu peux connaître des situations. Franchement, mais très très étrange, c'est-à-dire qu'il y a pas très longtemps, pour deux boulots, j'appelle une entreprise et je me rends compte dès l'instant où la conversation commence avec le commercial. Et c'est une entreprise qui était en France, hein, mais une entreprise qui fait de technologie informatique dont j'avais besoin, de la high tech, quoi. Et je commence la conversation et je me rends compte le nom de mon interlocuteur, son accent, c'est un russophone, d'accord. Donc, parle bien français, mais à l'évidence, sa langue natale, c'est le français, c'est le russe. Et donc, bon, je souris, je lui dis trois mots en russe, si tu veux, voilà, et là, il y a un blanc. Et je me rends compte que le gars, il est
très très mal à l'aise. Moi, je commence à être mal à l'aise. Je comprends en fait que finalement, parce que rien dans le nom me permet de me dire peut-être que le gars, c'est un Ukrainien et qu'il est hyper remonté contre la Russie et qu'il ne connaît pas ma position. Et donc, et on est revenu aux Français. Tu vois? Il y a eu vraiment ce moment, si tu veux. Tu vois, donc en fait, ça pose vraiment, enfin, je veux dire, même au quotidien, ça peut, tu vois, ça pose des problèmes, des tensions, etc. Donc je veux dire, oui, je veux dire, on peut que, tu vois, je veux dire, cette division qui est complètement artificielle entre des gens qui partagent la même langue et la même histoire, c'est compliqué à vivre au quotidien, tu vois. Du côté russe, ukrainien, etc., je pense que tout le monde souhaiterait que ça se termine, quoi. Et Bon, en réalité. terminons sur ces considérations optimistes sur le fait que ça se réglera. Et bon, aux conditions de la Russie pour ce qui concerne le conflit en Ukraine, ça ne va pas finalement réinstaller l'Occident dans une situation brillante, hein. Le déclin est commencé. Le problème, c'est qu'il vaudrait mieux que ça se passe calmement et pas par une dislocation comme l'a connu l'Union soviétique en 1991. Merci, Daniel. Hein, à très Oui. bientôt. Bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à eux aussi, je dis à très bientôt.